L'objectif de cette mission est d'amplifier les interventions de l'État en matière d'insertion et d'emploi des jeunes dans la partie septentrionale du pays afin d'éviter à la jeunesse la tentation de répondre favorablement à l'appel du terrorisme. Sur instruction du président Alassane Ouattara, un accent sera donc mis sur la dimension sociale à travers la mise en place d'un fonds spécial en faveur des jeunes des zones sous menace terroriste. Ce programme d'insertion s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme social du gouvernement sur la période 2022 à 2024. Pour marquer le lancement de ce programme d'insertion en faveur des jeunes, le Premier ministre, Patrick Hatchi, effectuera une mission au Nord à partir du samedi 22 janvier 2022 pour le lancement officiel de ce programme spécial à Touchebo, une localité dans le département de Bouna qui a connu récemment une attaque.